première partie de la question, c'était le dimensionnement, entre guillemets, de l'Institut. Est-il suffisant en France pour englober l'essentiel des maladies génétiques? À Necker et à Imagine, c'est le même campus, hein, c'est l'hôpital Necker et l'Institut des maladies génétiques, c'est sur le même site. Hein. On voit à peu près entre 4000 et 5000 maladies, enfin, des patients qui ont entre 4000 et 5000 maladies rares au global. On estime qu'il y a environ 8 à 9000 maladies rares. Vous voyez que ça représente quand même un nombre important, hein, sur ces 8-9000. Probablement, on est au moins à la moitié, voire un peu plus de la moitié. Je me demandais si les équipes étaient spécialisées par grande typologie de maladies ou si vous êtes beaucoup plus transversaux, parce qu'en fait, vous accompagnez énormément de maladies rares, pas simplement les déficits immunitaires primitifs. C'est vrai qu'on a ici à Imagine différents praticiens. Il y a des neurologues, il y a des généticiens médicaux qui voient des maladies plus transversales, il y a des immunologistes, etc. Donc... Et ensuite, dans les labos de recherche, à nouveau, il y a des labos de recherche qui travaillent sur les déficits héréditaires primaires, donc les déficits immunitaires, mais ensuite, il y a des labos de recherche qui travaillent sur le développement des os, sur le cœur, sur l'œil. Donc, et toutes ces spécialités, tous les patients qui ont des défauts génétiques qui touchent ces différents organes sont vus ici. Et les labos de recherche sont au-dessus. Et il nous arrive souvent de collaborer parce que nous avons des patients qui présentent, admettons, un syndrome développemental qui touche les os, éventuellement associé à un déficit héréditaire, un déficit immunitaire. Donc on peut avoir des collaborations. On est à peu près une trentaine de personnes, des chercheurs, des cliniciens, des étudiants, des post-doctorants. On a aussi des connexions, bien sûr, avec les autres laboratoires de l'Institut et aussi avec des start-up qui sont hébergées par Imagine et avec lesquelles on a des projets, justement, au niveau plus de cibles thérapeutiques. On parlait de néphronophtise, c'est une pathologie qui atteint les enfants assez vite. Donc, c'est des essais qui sont faits sur des enfants, j'imagine. Pour l'instant, il n'y a pas encore d'essai clinique qui a démarré. En revanche, justement, avec l'aide des familles et des patients, on a pu collecter établir une biocollection de cellules tubulaires rénales de patients, alors que ce soit des enfants ou des jeunes adultes. Et donc, du coup, basé sur cette collection de cellules de patients, on est en train d'évaluer l'effet du médicament in vitro. Pour l'instant, c'est plutôt les patients qui sont ciblés, c'est plutôt des patients qui ont été diagnostiqués pour la délétion NPHP1, mais qui n'ont pas encore ou peu développé de symptômes. Le travail de recherche est long. À partir du moment où on a identifié un gène qui porte un variant, une mutation, et le moment où on va dire que cette mutation cause la maladie, ça peut prendre plusieurs années. Pourquoi ? Parce que chaque expérience doit être écoutée, chaque chose qu'on fait doit être pensée à l'avance. Ça prend du temps d'imaginer des expériences qui permettent de dire que ce gène est causable dans la maladie. En fait, c'est... Depuis à peu près 2015, il y a des progrès technologiques qui nous permettent maintenant d'aller regarder l'expression des gènes cellule par cellule. Jusqu'à présent, d'un point de vue technologique, quand on s'apercevait qu'un gène n'était pas correctement exprimé, c'était une moyenne qui était faite sur des centaines de milliers, voire des millions de cellules. Et donc, depuis 2015, et grâce à des progrès technologiques que je vais vous exposer, on peut maintenant regarder l'expression des gènes cellule par cellule. Et donc, en fait, le but de mon équipe de recherche, j'imagine, depuis qu'on est arrivé, c'est de voir qu'est-ce que ça peut nous apporter maintenant d'aller plonger au plus profond, au cœur vraiment de chaque cellule. Est-ce qu'on va découvrir des nouvelles choses? Est-ce potentiellement qu'ils pourraient être transférés plus tard sur des nouveaux traitements, etc. Lorsque dans une famille, ce qui est souvent le cas,
dans nos associations. Il y a plusieurs membres de la famille qui sont malades, parfois atteints de maladies différentes. Est-ce que les cartes d'expression des gènes ont été étudiées ou non? Il y a des expériences qui ont été faites pour lesquelles on a les datas en fait, hein, de cartes d'identité moléculaire pour des patients différents issus de la même famille qui portent la même mutation que j'étudie pendant ma thèse et donc que je vais analyser. Donc effectivement, oui, ça a été fait et ça continue d'être fait et c'est des choses qu'on fait régulièrement dans le laboratoire maintenant, enfin régulièrement, en tout cas dès qu'on a les financements pour le faire. Imagine est un lieu vraiment unique où on peut retrouver au rez-de-chaussée les consultations où on va voir nos patients directement, les envoyer se faire prélever, le prélèvement va arriver au sein du laboratoire et la recherche va pouvoir démarrer directement. Et c'est vrai que cette rencontre de la recherche translationnelle, c'est-à-dire du patient au médecin, puis au chercheur et du chercheur ensuite, toutes les informations qu'on va pouvoir développer en équipe qui vont retourner vers le patient pour que ça lui serve, pour qu'on puisse essayer de faire avancer les choses, ça c'est vraiment unique, enfin, en tout cas extrêmement précieux. C'est aussi un endroit où plusieurs équipes peuvent travailler ensemble, et il peut y avoir une collaboration inter-équipe. Oui, et dans la continuité sur le campus Necker Imagine, le centre de référence maladies rares, les rhumatismes et maladies inflammatoires de l'enfant est situé, donc c'est vraiment la richesse de ce campus Necker Imagine. Nous, en tout cas, l'idée d'Anarita, quand on a créé son labo ici à Imagine, ici, c'est plutôt de modifier le génome grâce à un outil moléculaire qui s'appelle CRISPR-Cas9. Et l'idée, c'est de faire des traitements. Il y a plein de traitements très divers qui s'opèrent directement sur le génome pour réactiver l'hémoglobine fœtale. En soi, c'est quand même très intéressant d'être proche des patients, ne serait-ce que d'un point de vue logistique, pour récupérer les échantillons, tout simplement. Alors, on peut parler d'autres choses, d'autres maladies que la drépanocytose, mais par exemple ici, beaucoup de patients viennent ici pour des maladies génétiques qui sont mal identifiées. Et le fait que les équipes de recherche soient à proximité permet de considérablement accélérer le processus d'identification du gène de la pathologie au niveau génétique ou épigénétique. Donc c'est clairement un atout. Est-ce que le grand public aujourd'hui peut vous aider de quelque manière que ce soit? Est-ce qu'il y a, en tout cas sur le sujet des cardiopathies congénitales, parce que forcément votre travail a beaucoup d'impact, et c'est pour ça que Lucie Leyel est là aujourd'hui, notamment sur les cardiopathies congénitales, est-ce que le grand public peut vous aider pour vous faire avancer? Je dirais que le grand public peut nous aider de deux manières. D'une part, en comprenant l'importance de la recherche, et donc en passant le message quelque part pour que non seulement le grand public soit au courant, mais aussi les décisionnaires, les politiques soient au courant que c'est un domaine dans lequel il faut investir. Voilà, ça c'est un message important. Et puis l'autre aspect, c'est l'aspect financier. Évidemment, les dons qui peuvent être faits et qui vont alimenter les fondations, si ensuite ça revient à la recherche, ça permet d'avoir par exemple quelqu'un comme Audrey qui peut être payé par exemple un an pour travailler sur un projet bien spécifique. Voilà, c'est ce genre de projet qu'on peut mettre en place et qui peuvent être vraiment importants pour faire avancer la recherche. Je peux vous retourner une question, Gaëlle, en tant qu'association de patients, qu'est-ce que vous attendez de la recherche et est-ce qu'il y a un exemple de découverte qui vous a particulièrement intéressé parmi les choses dont vous avez pu avoir connaissance? Je crois que ce qui est important pour nous en tant qu'association de patients, c'est de vulgariser la recherche médicale pour mieux la comprendre. Donc moi, je suis ravie de ce type de rendez-vous aujourd'hui parce que les gens pensent souvent que la recherche médicale, ce n'est que quelqu'un derrière un microscope, sauf que, par exemple, croiser des données,
les données aujourd'hui, c'est la recherche, c'est aussi beaucoup de données. Et pour ça, bah, il faut des gens, des statisticiens, par exemple, qui sont derrière un ordinateur, derrière des fichiers de type tableau croisé dynamique, pour pouvoir croiser toutes ces données. Donc, déjà, nous, ce qu'on attend de la recherche, c'est qu'ils puissent nous vulgariser leurs projets pour qu'on puisse mieux les comprendre et du coup mieux les aider et les soutenir. Quand vous recherchez, par exemple, en faisant un séquençage, est-ce que vous avez en parallèle une base de données internationale de tout ce qu'on a pu trouver ailleurs qui va venir, c'est peut-être utopique ce que je demande, qui va venir se croiser avec le séquençage que vous êtes en train de faire actuellement pour vous faire un indicateur? Ou est-ce que non, vous y allez à l'aveugle? Je pose la question. Ce qui est génial, c'est que la réponse, elle est juste là. Elle est juste là. Voilà. Hop. Là et là, en fait. Là, vous voyez, il y a quelque chose qui s'appelle CleanVar. Et là, il y a quelque chose qui s'appelle HGMD. Et c'est les petits carrés rouges qui sont apparus là. Directement, nous ont dit, attention, cette mutation a déjà été reportée chez des patients. Donc, finalement, très rapidement, on voit apparaître. Donc, ça fait comme un petit drapeau rouge qui nous dit, très vite, il y a d'autres patients décrits pour cette mutation. Donc, c'est maintenant. Et c'est vraiment la force aussi de cette visualisation, c'est que c'est des outils qui ont vraiment augmenté l'efficacité de l'identification de ce variant qui est perdu autour de dizaines de milliers d'autres variants et qui permet de faire directement un lien entre ce patient et celui qui a déjà été décrit dans la littérature. Donc c'est un peu la force de cette... Sur une base internationale, c'est complètement. Ça et c'est les, enfin c'est voilà, oui, je pense oui. Que à la fois CleanVar et AGMD, c'est deux bases de référence dans laquelle, plus ou moins, c'est peut-être pas si évident que ça, mais on peut dire que c'est un effort collaboratif international qui amène à ce que tous les variants soient référencés dans ces bases de données-là. Et nous-mêmes, on a construit aussi une base de données de l'ensemble de nos variants qui ont été découverts ici, de façon à garder une trace de quelle est l'équipe, quand est-ce qu'on a déjà rencontré ce genre de variation. Depuis plusieurs années, Eurordis et Imagine ont développé un partenariat ensemble autour d'une formation annuelle pour les représentants de patients sur l'innovation scientifique et la recherche translationnelle. Donc avant la pandémie, cette formation avait lieu sur le site de l'Institut Imagine pendant 5 jours. Avec 30 participants, des représentants de patients venant un peu partout d'Europe et on comptait aussi des intervenants médecins-chercheurs des équipes de recherche de l'Institut Imagine. Depuis le début de la pandémie, on n'a pas arrêté, mais cette formation a quand même dû être transférée en ligne. On espère quand même très bientôt, l'année prochaine, de pouvoir retourner à l'Institut Imagine. Donc, cette formation s'appelle la Winter School. On a aussi d'autres projets en collaboration avec des chercheurs de l'Institut Imagine qui sont en développement en ce moment. En fait, on a au sein du laboratoire d'Anarita, on a chacun notre propre projet. Et donc, du coup, par exemple, Anne est notre experte HPLC. C'est elle qui connaît cette technologie. Donc, si on a besoin, on ne sait pas trop comment analyser un résultat ou on a un doute sur comment la machine fonctionne, on va aller chercher son expertise et voir ça. Mais après, par exemple, on a d'autres manips. Moi, par exemple, je travaille aussi dans le L2. On travaille tous notre projet du début jusqu'à la fin. Un patient drépanocytaire qui nécessite une greffe allogénique, donc quand on dit allo, c'est qu'elle vient d'une autre personne, hein, c'est pas une autogreffe, c'est pas une. On recrute les donneurs en fonction de leur haplocompatibilité, donc c'est simplement la compatibilité de leur système, de leur cellule, du système immunitaire avec le receveur. Nous, notre laboratoire, travaille sur des stratégies thérapeutiques qui permettent justement d'éviter cette problématique de l'haplocompatibilité. Parce qu'on récupère les cellules souches du patient, on les traite ex vivo, donc en L2, un L2 qualité thérapeutique, pour ensuite lui réinjecter ses propres cellules. Donc il n'y a pas de problème d'haplo-insuffisance et il n'y a pas non plus la nécessité d'avoir un traitement immunodépresseur. C'est dans ces incubateurs que l'on met en culture à la fois nos lignées cellulaires immortalisées, donc c'est les modèles les plus basiques, et également les cellules de patients ou de donneurs sains que on va mettre en culture. Ici, vous voyez, on a une hôte
ce qu'on appelle un poste de sécurité. C'est un équipement extrêmement important, indispensable pour faire de la culture cellulaire. Il y a un courant d'air permanent ici, en au-dessus de sa grille, hein, qui est capté ensuite en hauteur et qui est filtré. Ça permet à la fois d'éviter que des germes n'entrent ici dans cet espace, et pareillement, si on manipule des échantillons infectieux, ça évite que des germes potentiellement pathogènes en sortent. Alors, bienvenue dans la salle de l'HPLC. Donc, l'HPLC, c'est la High Performance Liquid Chromatography. Et cette machine nous permet de séparer les hémoglobines, de quantifier les différentes hémoglobines présentes dans les échantillons de patients. Donc, voilà. Ici, on observe différents pics qui correspondent aux différentes hémoglobines qui composent l'échantillon. La réaction de séquençage, c'est un ensemble de cycles qui va lire base après base en partant de l'élastique rose là en haut. Et puis ça va descendre cran par cran, un peu de la pointe des cheveux jusqu'à la racine. À l'issue de ce séquençage, donc, ça génère donc des milliards d'informations sur chacun des ADN qui a été séquencé, mais on ne sait pas ce que c'est. Et donc, le but du jeu, après, ça va être chez nos collègues de la plateforme de bioinformatique qui se trouve en bas. Et l'étape d'après, donc, ça va être ouvrir le grand livre du génome humain et puis regarder pour chaque bout d'ADN dans ce livre où est-ce que ça s'aligne, c'est-à-dire à quelle page, à quel paragraphe, à quelle ligne en fait, du génome ça correspond, et tout ça pour les milliards de petits bouts d'ADN. Séquencer en soi l'exome, je vais dire, c'est surtout une question qu'il y a beaucoup de demandes et beaucoup d'exomes. On séquence énormément, donc il y a un temps incompressible. Entre le moment où on envoie l'ADN, qui est extrêmement urgent, et le moment où nous recevons les données pour l'analyser, c'est à peu près 2-3 semaines. Ensuite, il y a l'analyse. Et quand on est face à un exome, on sait que ça peut prendre parfois une demi-heure pour trouver un gène quand c'est évident, quand on trouve quelque chose qui est en général déjà connu. Et ça peut prendre par contre 10 ans pour identifier un autre gène qui expliquera la maladie d'un patient. Je voudrais demander comment vous initiez un projet de recherche. Est-ce que ça vient d'hypothèses que vous avez? Est-ce que ça vient de la clinique? Est-ce que ça vient... Enfin voilà, comment ça démarre un projet de recherche? Un projet de recherche, ça démarre d'abord par un laboratoire qui a une idée, un concept, et donc cette idée-là, cette théorie génétique des maladies infectieuses, ben, ça fait 25 ans qu'elle a été formulée, et elle démarre de l'observation des patients. Elle commence par l'observation de ce qu'on appelle des phénotypes, qui sont particuliers, et ensuite une question est posée, une hypothèse est posée, et à partir de là, il faut démontrer l'hypothèse. Et quand on la démontre chez un patient, puis un deuxième, etc., se construit une théorie plus globale. Nous travaillons exclusivement que sur des patients, uniquement des patients. Voilà. Je suis Géraldine Mollet, donc chercheure dans le laboratoire des maladies rénales héréditaires. Et donc je vais vous présenter un petit peu le laboratoire en globalité, et puis plusieurs personnes interviendront. Moi, je m'appelle Guillaume Dorval, je suis médecin, donc néphrologue pédiatre, où je travaille donc dans l'hôpital Necker. Alors maintenant, je travaille surtout dans le service de génétique moléculaire, où je m'occupe en partie du diagnostic pour les maladies rénales héréditaires avec Corinne Antignac et Laurent Cédet. Et puis, j'ai une activité de recherche dans le laboratoire des maladies rénales héréditaires. Mais quand on fait l'exome, on n'étudie pas donc ces introns. C'est bien compris. Non, quand on fait l'exome, on s'intéresse uniquement aux exons, donc aux régions qui vont directement coder pour la protéine. D'accord. Donc c'est novateur. En fait, ces introns, on les étudie avec ce qu'on appelle maintenant le génome. C'est le séquençage du génome entier qui permet justement de séquencer également les parties qui sont des parties soit
intergéniques, donc vraiment entre les gènes sur le chromosome, soit les parties introniques, c'est-à-dire dans un gène, les parties qui séparent les régions codantes. La mastocytose avait été choisie pour faire des recherches plus approfondies pour essayer de comprendre en fait, le rôle des mastocytes au sein de la mastocytose, mais aussi dans d'autres pathologies. Donc, je veux savoir un petit peu où... Voilà, c'est pour comprendre que c'était au départ, la mastocytose a été choisie comme modèle. Est-ce que je me trompe ou je me trompe là ? Je ne sais pas. Voilà, donc aujourd'hui, ce qu'on essaye de démontrer, c'est un, de trouver un diagnostic pour ces syndromes d'activation mastocytaire, parce qu'il n'y a pas de tests biologiques qui sont connus aujourd'hui. Et deuxièmement, dans beaucoup de maladies, qu'elles soient inflammatoires, neurodégénératives ou dans les tumeurs, on essaye de voir s'il n'y a pas cette même signature mastocytaire qui suggérerait que les mastocytes activés pourraient jouer un rôle dans ces maladies. Et donc, pour résumer, finalement, la mastocytose, qui était une maladie rare, elle éclaire sur la physiopathologie et elle donne des cibles thérapeutiques pour des maladies beaucoup plus fréquentes dans lesquelles il n'y a pas de traitement aujourd'hui. Avec Imagine, puisqu'on a un membre notamment de notre conseil médical qui y est, qui participent aux relectures et aux validations de nos plaquettes. Moi-même, je suis déjà intervenue sur des présentations. Donc, il y a déjà un échange avec Imagine qui est bien là. Donc, c'est vrai que là, on voit qu'il y a des choses à imaginer, il y a des choses à rendre plus visibles pour que la recherche soit plus efficace et plus pertinente. À mon sens, c'est une évidence. Je prends la parole parce que je voudrais remercier le laboratoire Imagine. Donc, on a contribué dans le cadre de l'incontinentia pigmenti. On a mobilisé les familles pour participer à l'étude qui a été bien organisée par Paul Bastard, bien gérée. Et donc, je prends la parole parce que je voudrais remercier le travail, vous remercier pour le travail que vous avez fait et donc qui a permis d'identifier dans le cadre de l'incontinentia pigmenti cette fragilité et puis donc de lister les porteurs, porteuses essentiellement de l'incontinentia pigmenti dans la liste des catégories prioritaires pour la vaccination contre le Covid-19. C'est à nous aussi de remercier évidemment tous les patients qui participent à ces études, les associations. Encore une fois, nous essayons de comprendre les maladies, mais au départ, chaque remerciement est toujours pour les patients, les familles, les associations qui participent à ces études, sans lesquelles, bien évidemment, on ne pourrait rien faire. Donc c'est réciproque, voilà, réciproque. Alors oui, une question toute bête pour être certaine de comprendre bien cette histoire de poisson-zèbre. Ça veut dire qu'on a le même patrimoine génétique que le poisson. Le poisson, par exemple, lui-même, naturellement, régénère son cervelet. Donc, c'est pas un poisson avec une blessure au cerveau peut réparer son cerveau. C'est, contrairement à nous, ils ont une efficacité de régénération très forte. Donc, si c'est possible chez un poisson, voilà, on peut aussi espérer qu'un jour, on pourra aider à la réparation du cerveau. On croise les doigts pour que ça arrive vite.